c'est reparti avec Jill Valentine pour Resident Evil 3. Là, je viens d'avoir le coupe-boulon. Ce serait quasiment intéressant d'aller fouiller tout ça. Très intéressant. Nice! Ça, on aime ça. Ah, c'était juste une clé. Ah ah! Merci d'avoir ouvert la porte. J'ai tué lui. C'est là la chaîne. Clic! Tente pas d'allumer ta petite lumière, Jill. Juste de même. Une autre boîte. Une gemme bleue. Un faux safé. Il semble pouvoir être inséré dans quelque chose. Pour dire n'importe quoi, tu peux t'en aller, ok? Oh! Poudre supérieure. Un spray! Faudrait que j'aille à ma boîte. Parce que là, j'ai plus de place. C'est tout bien, non? Moon Donut. Hey, toi là. Faut que je la tire, lui. Un spray. Oh yeah. On aime tous le spray. Il y a une vente de 20% ses fruits, génial. Chaîne là aussi. Oh my god. Bon, je t'en salue. Un petit peu trop loin. Continuez par fouiller cet avant. J'ai deux îles, on va déposer un. On va justement ouvrir ça. Allez Jill, coupe-moi ça. Du BCS? Ouais. Oh. Me regarde pas comme ça. Je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends! Ah! Oh. Shitos. Putain, mais ça va pas! Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS? Vous vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. Mais ouais. Pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Ouais, comme toi dans les pattes, hein, russe. Mais what? My friend. Je ne connaissais pas, mais tu étais déjà mon ami.
10 juillet, 91,5 kilos, 12 tours de terrain, 2 circuits. Adieu, prison. Umbrella Corporation vient juste de m'offrir un job. Un job. Je sais pas comment ils vont faire pour effacer une peine de prison à vie pour avoir tué 20 membres d'un gang, mais peu importe, ça me bat. C'est toujours mieux que de passer le restant de mes jours derrière les barreaux. Faut que je remette en forme. 26 juillet. 3 circuits. Tir sur cible. 5 échecs. Hier, on m'a sorti de prison en transfert vers un camp d'entraînement de l'UBCS où j'ai pu tirer pour la première fois en 2 ans. J'ai loupé une cible à 365 mètres, une bonne douzaine de centimètres. Ça m'était jamais arrivé avant. C'est comme si j'avais tout oublié, mais ça fait rien. Je vais me remettre à niveau. Bon, j'ai réduit ma marge d'erreur à environ 7 cm, je me sens déjà mieux. Après le déjeuner, j'ai eu droit à ma première simulation de combat. Le capitaine et les autres gars sont des champions et de vraies machines de guerre en plus de ça. Il y a que ce cinglé de Nikolai que je sens pas. Cet enfoiré a pas hésité à m'utiliser comme bouclier humain pour marquer plus de points. Aucun échec. Murphy est de retour, les mecs. Vous ne me verrez plus jamais rater une cible. Demain, je pars pour ma première mission. Opération anti-meute à Raccoon City. Je crois que Jimmy aurait aimé ça. Mon frère était toujours prêt à sacrifier pour les autres. Seulement, cette racaille de merde ne l'avait pas tué. Enfin, maintenant, c'est à mon tour de faire quelque chose de bien à ma manière. Je suis désolé, mec. L'autre cinglé t'a tiré. Steel Boy. Cartouche de pompe. Mais j'ai pas de pompe. Ah, mais c'est une chaîne, c'est vrai? Je peux avoir le pompe. Mais what? Est-ce que je vais le chercher tout de suite? Je pense pas. Je peux être encore un peu patient. Moi, là, c'est lui qui me gosse. Pourquoi il est parti par là? Tête de pioche. Qu'est-ce que... M'en va où de même? Aïe aïe aïe, tant pis. Fuck it, on fait l'effet inverse. Il y avait deux chaînes de vous dire par là-bas, on va aller les chercher. Mais le nombre de poudres, c'est incroyable. 60 balles, j'aurais pas payé. Espèce de salopio qui a tué son copain. Je passe par la boutique. Oh, il est là. Hey! Je pensais que t'avais réussi à passer. Fatigante. James Crab! Open! Les crabes de Jim. Ça tire. Par là, c'est là-dedans qui. Je sens que je vais avoir de la bagarre. Friend. Fusil à pompe M3. Ah, oh, puis il prend juste une place, yes! Oh, ça pousse dans la porte. Yeah! Oh, oh, oh! Plus mort.
Ah, c'était lui qui était couché là. Aïe aïe aïe. Ah ouais, après chez vous, par ici. Salle de contrôle, il y avait rien là. Bon ben. Nice. Bon ben je peux m'y faire le mini mix. Ah, plus de besoin. Nice. C'est débarrassé des objets. Petite poubelle. Jeter. Oui. Cool. Ok. Et pour tout de suite, on va faire ça. Ça. Avec ça. Nice. Ça va quand même bien, fait que je pense que je vais pas en faire plus. Ça c'est parfait. On va reprendre ça. Il ne reste plus grand place quand je garde tout ça. Lettre de suicide d'un soldat. 28 septembre. Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée de ce que c'était d'enfer. Je pense que ça n'a jamais craqué. Peu importe la situation, ce boulot est du BCS. Ça aurait dû être une promenade de santé, de l'argent facile et rapide. Le bébé mérité est pris. Tout est arrivé si vite. Notre escouade comptait 30 hommes, tous armés des derniers modèles de fusil d'assaut. Pourtant, il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer. Pour avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie, je savais que les choses ne faisaient qu'empirer si c'était qu'à l'été. Considérez-moi comme un lâche, mais gars, c'est le seul ici qui me reste. J'espère juste que mon corps ne reviendra pas une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette.
pas assez grand ici, il me semble que... Prendre ça, moi. Ouh. Note de l'électricien. Générateur à usage public fourni par l'association d'électriciens de Raccoon City. Pour pallier les coupes d'électricité en cours, notre association a décidé d'installer des générateurs électriques un peu partout en ville. Il ne s'est pas utilisé en cas de besoin. Attention, ce générateur fonctionne avec des courants haute tension. Si l'un d'entre eux devait être heurté ou touché par un coup de feu, cela pourrait électrocuter toute personne se retrouvant à proximité. Ah, c'était ça, l'Atlas là-bas! Le lien est note. C'est compris. Si vous voyez un générateur qui fait des étincelles, ne vous en approchez pas. Ne prenez pas de risques. La sécurité d'abord, comme on dit. Et si on s'en sort, n'hésitez pas à passer me voir pour toutes sortes d'appareils électroménagers à prix cassé. Votre gentil électricien Sam. Lui, il est hanté. C'est ça. Exactement. Oh, Dogo. Marche-tu ça, Dogo? Ok, fuck you. Hey. Triple! Incroyable. Triple splash. Un cadenas encore. Et encore ça. De toute façon, il y a un cadenas là-bas, fait que... Je vais me souvenir qu'il va falloir que je repasse ici. Nice! Il y a encore des sacoches! J'ai de la place! Ah, puis il y a une boîte en plus. Super. Des balles. On dirait qu'il va arriver de quoi, là? Une sauvegarde, un coffre. Ça se pourrait-tu que... Ça se pourrait-tu que quelque chose arrive? F-
fax du chef de la sous-station. Avis au personnel, en raison des émeutes en ville, nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique. Lorsque le calme sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour rétablir le courant. Oh, Cheetos! Ah. Ok. Je vois. Effectivement, il va arriver quelque chose. Un là en bas, un là au milieu, puis un en haut à droite, un en haut à gauche. Fait que tout le long de la barre, il y en a deux. Il y en a même un troisième au milieu, puis le quatrième, il est en haut dans la courbe. Oh my god. What is that? Disgusting. Des balles de pompe, ben des fusils, une nade, deux heals. Ah ben. Let's go tigadou. Let's go tigadou laïdou. Oh. Oh, cette odeur, on dirait. Oh, je veux même pas y penser. Oh boy. C'est donc ben beau. Eww. C'est de la crap partout. Plante verte, ça fonctionne. J'ai commencé à me demander si Chad allait revenir un jour, alors j'ai décidé de jeter un œil là-dedans. Tu parles d'une idée à la con. En moins de deux, je me suis retrouvé avec des espèces de larves en train de se tortiller dans ma gorge. J'ai essayé de me faire vomir, ces saloperies n'avaient pas l'intention de sortir de mon estomac. Alors que je me tordais de douleur, je l'ai vu, une plante verte. Ma grand-mère m'a dit un jour que les plantes vertes étaient efficaces contre les insectes. J'en ai attrapé une, je l'ai mise dans ma bouche et j'ai avalé. C'est fou, mais ça a marché. Les bestioles se sont enfin décidées à sortir. Je crois que j'ai jamais été aussi content de vomir. Je vais retourner là-dedans pour voir si je trouve Chad. Si jamais quelqu'un lit ceci, n'oubliez pas, suivez les recettes de grand-mère et mangez des plantes vertes. Ah. Ok. Intéressant. Cheetos. Si j'avais mes outils de crochetage. Note interne de la sous-station. La clé de la zone haute tension est introuvable et nous ne pouvons pas la remplacer par... Voilà. On va pas la faire remplacer avant la semaine prochaine. En attendant, un crochet sera fourni à la personne en service. Nous n'avons qu'un seul crochet et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Alors rangez-le dans sa boîte lorsque vous ne l'utilisez pas. Nous vous demandons également de vérifier une dernière fois que vous n'avez pas emmené la clé chez vous par inadvertance. Si vous la trouvez, merci de la porter à Kate de la direction. Fat. C'est ça, je pensais. Ouais, c'est vraiment bon. Je suis plein. Une boîte. Encore des balles. My good god. On va être fun là-dedans. On va être good au fun de way là-dedans. Bon ben là avec les plantes vertes, on va... Non, faux. On va déposer celle-là. On va garder les plantes. En gros, ça doit être les crochets.
crochet. Un outil qui permet de crocher des serrures simples sans avoir besoin de clés. Got it. Ça va falloir que je ressorte par là. Il y a des balles. On va pas les reprendre. Mais là, pour tout de suite, on va faire. D'après moi, on va en passer des balles. Ah ouais, Jill, la crocheteuse. Clouc. Hey, moi, je suis pas. Oh non! Hein? Mais what? Mais what? L'arc. Mais là, parasite. Ouah! Direct. Mais ouais. Ok. Faut aller prendre mes balles. Cochonnerie dégueulasse. Faut arriver comment une fois ça. Yurk. Rétablir le courant. My goodness. Ok, fait que ça ressemble à la zone. Ça veut dire un là, un à l'autre bout là-bas, un là, puis un dans les U là. Ok, il y en a gros des. Il y a d'autres plantes là. Ça c'est pour. Ah, c'est la pièce principale que tu parlais. Yeah. Donc. Ok, faut qu'il y ait une passerelle de même pour aller en haut là. Là, ça m'a amené là. C'est la cochonnerie. L'arc. C'est pas vrai. Ok. On est d'ailleurs à l'autre bout là-bas. C'était là en haut, je l'entendais. Explose, cochon. Ben, fait d'avoir des balles de pistolet, je sais ce moment donné. Ah, il y a des chocs électriques là. Ils en sont de partout. Non! Ah! Non! J'ai pas accès! Ah non! Pétasse! Cochonnerito!
Non! Ah, putain. Non, il s'en vient. Ah! Rentre! Wouh! Bordel de gossin. Bon, ça. Ça faisait qu'il manquait celle-là ici. Chitos. Là, j'ai mal. Ah, putain! Là! Il y en a une autre! Ok, je suis encore dans l'orange, c'est bon. Ah! Ah, come on! Il y a le panneau de contrôle, ça veut dire qu'il faut que je retourne là-bas. Ah, va chier! Cochonnerie de merde! Ah, il m'en reste une. Fallait pas traîner les balles. Une chance qu'il y en avait autant. Y a plus qu'à activer l'alimentation principale. Bande de dégueux. Brûle tout! Un, deux. Bande de pas propre. Ah, bande de pas propre. Yes.
reste encore pour bien des affaires à gagner, ça. Plante là, genre. Ça va être juste ça. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais bien vu quelque chose tourmenter par rond ces derniers jours. C'est des insectes bizarres qui font leur nid. Cette odeur métallique se dégage des grilles d'aération, mais je n'attendais pas à ce que tel merdier se produise en une nuit. Il faut que j'aille voir si maman va bien, mais le patron a dit que je devais abaisser tous les disjoncteurs avant de partir. Il fait chier. J'ai intérêt à me manier si je veux sortir d'ici. Là-bas, j'ai tellement mal au bide que j'arrive à peine à bouger. Au dernier disjoncteur, un énorme insecte de merde m'est tombé dessus et m'a enfoncé un énorme tube dans la gorge. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à m'enfuir sans me vomir dessus. J'ai trop mal, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui bouge en moi. J'essaie de résister, j'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé. Putain, j'ai mal. C'est comme si mon ventre allait se digérer. Je crois que c'est la fin. C'est tellement. J'ai esquivé. Ah non, y'en a un autre. Ah! Ça doit être ça. Bah ouais, c'est ça. On s'en va! Bande de dégueulasse. Une herbe. Toujours bien ça. Ça a pris de la balle en tabarouette. Carlos, c'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant. Beau travail. Prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. Jill travaille pour Stars, pas Umbrella. Des balles. Oh, je vais tourner dehors là. Ok, ça voudrait dire... Ouais, je pourrais retourner là, je pourrais retourner là... Bon ben, faut que j'aille là-bas en fait. Oh oh! C'est une blague? Oh ah! Hi! Ha! Oh! Ha! Bœuf! 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 Hey, coucou! Mais quoi? Comment? Où? Oui? Non? Bonjour? Ok. Lui. Oh my god. Oh.
qu'il faut que je laisse Polyma s'en aller. Il s'en balance tellement. Oh my god, mais qu'est-ce qu'il fait? Je m'en aille peut-être là. Veux-tu s'en venir ici, John? Non? Qu'est-ce que je fasse? J'ai merdé, c'est ça? J'aurais pas dû courir là, quoi? Mais il reste en bas! Mais what? Je vais essayer ma grenade, peut-être. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Oui! Hein? What? What is that? The freak? Il a laissé tomber une boîte! Hey! Ça marche pas les esquives, au mot de jeu là! La merde! Ça dit tu peux esquiver, mais tu peux pas esquiver pour vrai. Oh my god! Carlos! Ce monstre est encore vivant! Il est à métro! Quoi? Cours! Reviens à la station! Pas avant d'avoir remis le système en route! Oh my god! Mais c'est quoi ça? Une caisse portant la marque d'Umbrella, elle contient sûrement quelque chose d'utile. Chargeur étendu pistolet. Mais what? Quelques balles de plus pour permettre d'être jusqu'à 33 coups avant d'avoir à recharger. Mais c'est stylé, le gros il m'a laissé tomber ça. Oh yeah! C'est donc bien nice! Je change jamais ma grenade. Je sais pas que j'aurais fait. Il m'a donné du stock! Il m'a looté! Il se bat! C'est plus mon... Attends, c'était quoi ça? C'était pas lui? Non, ok, c'était la musique qui faisait ça. Oh my god, mais la musique est toujours là, hein. Pour moi, d'après moi, il va me chasser encore. Un autre spray. Celle-là, on va la déposer. Si, pour avoir encore des bébites
plume dégueulasse de larve de marbre. Ok. Oh shit, oh, zombie. Zombie are back. Je savais que j'aurais dû aller à l'échelle. Faut que je retourne à la station? Mais quoi? Attends, l'autre il me dit retourne à la station, mais elle, elle veut aller activer le courant. Là, je suis perdu, là. Pas avant d'avoir activé le courant. Faut vraiment que j'aille. Faut vraiment que j'aille là. Mais what? J'aimerais mourir! Je suis foutu! C'est bon, j'y suis. Ouais, tu y es? My goodness! J'ai plus de vie! Une flamme, s'il vous plaît! Un spray! Oh, nice! Carlos, je suis dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant faut que tu entres en itinéraire. D'accord, une seconde. Lockpick. Oh, shotgun. Ok. Entrez en itinéraire. Ok. Où est-ce qu'on va? Le train est arrêté à Redstone Street. On doit aller à la station Fox Park. Fox Park. Tu peux programmer ça? Eh, je suis super flic. C'est comme si c'était fait. Ouais, c'est comme si c'était fait. Ok, on est là. Ça veut dire qu'il faut que je descende par là. C'est quoi la 02? Après ça, il faut prendre le premier embranchement. Oh my god! Mais what? Attends, y'a-tu de quoi ici? Redstone. RE01. Donc il faut aller à
FO02. RE01. Ok. FE02. Ok, ça marche pas. RE02. Faut que ça descende en bas. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. RE02. Parce qu'il faut que je passe là. Après ça. FA. FA02. C'était quoi déjà? De Redstone Street à Fox Park. Ben, je sais, madame. Voyons, je suis bien mauvais, je comprends un peu. Ah, mais FA, ça existe? Fast? Ouais, FA, FA02. Je pars de R1, je m'en vais à FA02. Quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. FA02, ça c'est celle d'en bas. Après ça, je m'en vais à Raccoon Central Station. Ça va être RA. Raccoon Central Station. Mais il faut que je passe par celle du haut. Qui est 03. C'était quoi déjà? Redstone Street à Fox Park. Raccoon Station 03. Puis après ça, il faut que je m'en aille à Saint Michael. Ça doit être SE. Ça doit être le 04. Non, c'est SA02. Parce que ceux-là sont brisés, fait que c'est jusqu'à SA02. C'était quoi déjà? De Redstone Street à Fox Park. SA02. Jusqu'à Fox Park. On va espérer que c'est ça. FA2, RA3, puis après ça, 2 pour le Saint Michael Clock. Under. Itinéraire valide, confirmé. Carlos, c'est moi. J'ai fini d'entrer l'itinéraire du métro. Nice! Jill, t'es génial. Et coriace en plus de ça. Reviens à la station. On va s'assurer que le métro est prêt à partir. Bon, là je meurs. Faut que je retourne à la station. Ok. Il vient de me faire quoi lui là? Putain! Hein? Ah, faut que je tire le corps avant. Le corps avant. Wow. Foy, oh, j'ai pas goût de le dire. Ok, fait que si je passe par la boutique des donuts, j'ai mon sauvegarde qui est là, mais. Grenade pour mon ami le gros tas.
Ok. Oh non. Oh non. Ah, c'est lui qui va faire essayer. Mais non, mais non. Rocky. Oh my god. Mais what? Super Jill. Ah! Ah! Je sais plus où aller! Je sais plus quoi faire! T'aimes pas ça mon magasin? J'ai trouvé une boîte. Salut! Comment tu vas? Hey, un verre. Une fausse gemme verte, un faux émerald. Créé à l'image de Charlie McBergen. Fondateur de Toy Uncle, la figurine Charlie est devenue la mascotte d'une entreprise du Sommeureau des princesses. La figurine Charlie en porcelaine qui marque notre 25e anniversaire. Fabriquée avec amour et soin pour nos équipes, cette figurine disponible en nombre limité et à 5 cadeaux parfaits pour ceux qui vous aimez. En vous assurant qu'elle trouvera la place de choix au sein de votre famille. Attention, ce produit est très fragile et manipulé avec précaution. C'est pour ça que je shot depuis tantôt. Yo! Il est en dedans, il est mon petit. Notre boîte! Mais what? Laisse tomber du stock! Go, Jill, go! Ah, putain! Ça marche pourtant l'esquive demain. Fais chier. C'est le. Oh my god. Oh boy boy. Tabarouette. T'es espèce de gang de fucké. Quoi celle-là? Examiner. Modérateur pistolet. Élément pour pistolet chez 19. Atténue le son provoqué par les tirs et augmente les chances de coups critiques. Mais what? Mais mon pistolet est rendu incroyable. C'est bien trop pratique les grenades contre lui. Oh boy. Ok. Oh, je viens de réaliser ça. T'as-tu des bonnes chances que ce soit là? Yeah! Ah, elle a la forme d'eux, en tout cas. Un grenade! Wow! C'est gentil, ça! Tabarouette! La bleue. Wow! Is it both of them? Élément pour fusil à pompe M3 réduit le recul et augmente la stabilité de l'arme pour une précision accrue. Stylé. Oh non, ça va donner deux places. Non, je suis correct! Phew! Hey, j'en ai une autre! Faites la tour. Et il s'accroche. Mais ouais. Le pouvoir des gemmes. Wow.
Nice! Plein de beaux cadeaux, ça! Oh boy! Ma vie est à quoi, là? Ah, je suis correct. Bon, si on veut garder ça... Oh my god! Ouh, faut que je prenne une pause! Ça va être une bonne vidéo, ça!